La vidéo d'aujourd'hui parle d'échinocytes, une anomalie de forme des globules rouges. Les globules rouges sont crénelés et ressemblent à des oursins plutôt qu'aux disques biconcaves avec centre clair des globules rouges normaux. Ils se présentent sous forme de disques ou de sphères irisées de spicules fins, régulièrement réparties sur toute la surface de la cellule. Je suis tombé sur ces globules rouges anormaux de manière fortuite. C'est une information importante qui peut orienter le médecin, car les échinocytes se retrouvent dans différentes maladies comme l'insuffisance rénale, des ulcères hémorragiques, cancer de l'estomac, certaines maladies du foie, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais en voyant ces images, en faisant la lecture d'un fauteuil sanguin coloré ou MGG pour établir un formule leucocytaire, je me suis dit, il faut que je les partage avec vous. C'est obligé. Nous sommes au niveau de la zone subdistale du fauteuil. Les hématies sont en monocouche et bien séparées les unes des autres, ce qui nous permet de bien observer les érythrocytes. La queue du fauteuil est à éviter car les hématies à cet endroit sont souvent déformées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite sur les anomalies de forme des globules rouges. À la prochaine!